Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin, en ce troisième dimanche du mois de juin 2020, côté le Seigneur permet encore jusqu'à présent, et nous vivons, et nous capables de son grande victoire pour chacun de nous qui est en branché sur l'Inan, nous disons bienvenue. Et dans l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance, même là nous pas physiquement présents, mais en esprit nous sommes connectés. Et nous sommes certains côté nous disposer matin hein, pour nous capables encore rentrer dans la présence du Seigneur dans adoration et louange. Donc, mettons disposés et disponibles ce matin pour nous capables offrir à Dieu ce service. Côté nous venons remercier, nous venons louer, nous venons adorer pour s'allier, ça le fait pour nous et ça la continue à faire encore dans la vie. Nous. Donc, chacun de nous ce matin, nous considérons nous sommes de vrais adorateurs qui voulaient adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Sur ce, moi souhaitons bonne adoration dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni au matin. Hein? C'est un réel plaisir pour nous capables de rentrer la caillou. Matin hein, pour nous bailler, bon Dieu, pour nous mettre voix nous ensemble. Pour nous capables d'adorer le beau nom de Jésus. Maintenant, nous sentons-nous contents de ce que le Seigneur permet de nous dormir, de nous réveiller. Et nous te sentons nécessité pour nous capables de rester là, car nous même nous là, car nous pour nous prendre disposition, pour nous capables d'adorer le Seigneur. Fait que nous content matin, hein, pendant que nous allons adorer le beau nom de Jésus. Nous allons ouvrir champ d'espérance. Pour nous capables de commencer notre service. Dans 303, à la gloire de Dieu, Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Nous allons chanter à la gloire de Dieu pour nous capables de rentrer dans le service. Non. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. À que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi. Oui, sur moi. Se répande aussi sur moi. 303 français à la gloire de Dieu. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Et le Seigneur, Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi, à que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi. Oui, se répande aussi sur moi. Père, tendresse incorrable, je fus rebelle à ta loi. Quoi qu'impur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi. Oh, Pai.
toujours propice. Je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice. Et je t'appellerai pour moi. Réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens dans mon cœur par la voix. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût, quel avant-goût, Dieu, ciel m'est donné. L'esprit m'a tissé le feu, crié de nouveau.
Dieu vit pour Dieu, quelle assurance, quelle assurance que je l'ai sauvé. Quelle avantage, si elle m'est donnée. Et de l'esprit baptisé de feu, priez de nouveau, je vis pour Dieu, c'est mon pratique, c'est mon espoir. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire éternelle, mon élanteur, quelle assurance, je suis joyeux, déjà mon nom est inscrit au ciel, l'amour céleste. Depuis mon amour, dans vos jours, c'est mon pratique, c'est mon espoir. Alléluia, je chante à sa gloire. Oh, alléluia. Gloire éternelle, mon élanteur, quelle assurance, je suis sa mère, la paix de Jésus ne durera jamais, plein de sa bonté, de son amour. Nos rêves ensemble, c'est mon pratique, c'est mon espoir. Alléluia, Dieu chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au sauveur. C'est mon pratique, c'est mon espoir. Alléluia, Dieu chante à sa gloire. Alléluia, toi au sauveur, toi éternel, mon rédempteur. Jésus du pardon de la loi, par toi mon âme est libérée. Oh, quand j'aurai l'air et libéré de ce qui cause son effet. Libre car j'entends vite ta voix, libre par le sang de ta croix. Oh mon âme, il est éternel, que ça ne peut, Jésus me donne. Pardon, ouvrira la porte du ciel, libre en regard.
Disposition, quand on va lever voix devant le Seigneur, on va dire mon Dieu merci pour une semaine qui te permet de te traverser et une nuit là encore, et quand on t'est plongé dans le profond sommeil, le Seigneur t'est réveillé, et matin, hein, nous chaque nous brancher, et dans la caille nous, quand nous mettez que nous ensemble, l'esprit nous ensemble, les voix nous ensemble, pour nous faire monter louange vers le Seigneur. On va dire Seigneur merci pour ça. Et on peut l'inviter pour prendre première place quand nous connaissons déjà là. Mais il n'est pas rentré dans causer nous dans les affaires, nous ne sommes pas invités. On peut lever voix pour porter service à devant le Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu fort, Dieu capable, l'immortel, invisible, Seigneur. Et Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Matin, Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous merci, Seigneur, pour grâce. Merci pour compassion, merci pour l'amour, merci pour fidélité envers nous. Merci, Seigneur, d'être que jusqu'à présent, permettre à nous capables de souffle de vie et pour nous capables de mouvementer et nous permettre pour nous capables d'adorer. Merci Seigneur pour une semaine de dur labeur qu'on permet de nous traverser sous ton égide. Et Seigneur, hier soir, nous t'es plongé dans le profond sommeil et matin, on t'est réveillé nous avec nos sens en mouvement pour nous être capables d'adorer, louer, exalter au matin. Merci Seigneur d'être que, alléluia, ou permettre, grand bon Dieu, même là, nous pas capables d'adorer dans l'édifice là, que qui fait à mes d'hommes, mais on permettre que l'âme, nous, l'esprit, nous, bon Dieu, nous mettez l'ensemble matin, hein, et pour nous capables d'adorer, car on dit qu'on nous, c'est temple, bon Dieu. Matin, Seigneur, mes services à nous lever devant, cher Sauveur. N'a pas d'autre prix, s'il vous plaît, Père Saint, on va permettre tout ça qui va faire chant, adoration, louange, les prières, les sommes et surtout ta parole, Seigneur, qui pourra le présider tout à l'heure. N'a pas d'autre Seigneur, on va descendre, alléluia, qui t'est trop nous, et on va descendre, Seigneur, pour capable prendre adoration, nous, louange, nous, pendant quelques heures de temps que nous pourrons le passer, mon Dieu, et nos présences où. Seigneur, permet que chaque monde, Seigneur, qui vient de brancher matin, hein, permet qu'il soit capable de brancher dans un seul but. Le but d'adorer est exalté. Et c'est là tout Seigneur qui peut brancher. N'a pas d'autant plus faire songer rendez-vous, yo, mon Dieu, pour être capable de rentrer dans cellule d'adoration et de louange ça. Seigneur, mes serviteurs qui sont qui bordent là, le serviteur râle, mon Dieu, qui bacop, et chaque monde qui va travailler matin, mon Dieu, et le prédicateur de ce soir, n'a pas d'autant plus souple, Seigneur, s'il t'est préparé, alléluia, aux paroles que l'homme et que l'esprit, que connaissance, alléluia, t'es metté pour te préparer. Mais matin, mon Dieu, vous connaissez à cœur nos besoins. Vous connaissez son compte ça l'esprit nos besoins. Vous connaissez sa âme nos besoins, mon Dieu. N'a pas d'autant plus souple, Père Saint, vous va permettre que l'homme nous capable de réjouir dans la présence nous. Merci d'avance, cher Sauveur. Gagnez hier soir qui t'es préparé matin, hein, pour être capable d'adorer ou louer, mais qui va gagner l'opportunité que nous jouons matin. Hein. N'a pas d'autant plus. Père Saint, même le gain qui vient de tes douleurs, mais la mort d'autant prie, commandez nous, nous l'esprit, nous, que nous pensons, nous, pour nous capables d'adorer et adorer nous-mêmes seulement. Nous bénissons, bon Dieu, nous bon gloire, l'honneur, l'exaltation, et nous prions dans le nom de Jésus, à lui ce soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et nous nous sommes du point de tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Avant nous va faire lecture, nous, que nous va joindre dans le psaume 96, qui va faire par notre sœur Brenda, et suivi notre pasteur Eddy, et nous pourrons chanter 116, écho des élus. Non, moi, t'es soif, moi, pas de joindre satisfaction. Plaisir le monde, t'es trompé dans moi. Mais yon bonjour, l'aime t'a cherché soulagement. Jésus t'es dit, vin joindre, répond en lui. Oui, moi, t'es joigné, belle sous la vie. Grâce à Jésus, oh, amen. Grâce à Jésus, qui t'es mouru pour moi. C'est pas que l'homme qui t'es mouru pour vous. C'est pas de mari, c'est pas de madame. C'est pas de maman, c'est pas de papa. Mais c'est Jésus. Jésus de Nazareth, c'est lui qui te prend la croix pour ma paix. Non, moi, que soit, moi, ma joie, satisfaction. Plaisir le monde, plaisir le monde. Et toi, Yeah.
péché, va nous pécher. Place à la sœur Brenda, à la gloire de Dieu qui va faire la lecture pour nous. Gloire à Jésus dans le psaume 96, à la gloire de Dieu. Le psaume 96 nous va faire lire à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Oh oui, moi t'es joigné, chers amis, moi, mais pour qui ça ou misé? Courir vini nan bel sous la via. Fado péché ou. Trop lourd pour poter. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord. Praise his name. Proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and the most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord all the families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory through his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the peoples with equity. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the sea resound and all that's in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creations rejoice before the Lord, for he comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in his faithfulness. Amen. Amen. Muted. Gloire à Dieu. On voit le temps de lecture là. Deuxième lecture en français. Deuxième lecture en français. Qui va faire dans le même psaume, non? Le psaume 96, à la gloire de Dieu. Par notre pasteur, à la gloire de Dieu. Le psaume 96.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Puisse Dieu, dans son amour infini, déverser ses riches bénédictions sur cette portion de l'Écriture lue pour notre commune compréhension et édification. Gloire à Jésus. Compassion, bon Dieu, pas fini. Miséricorde, pas fini. Vie renouvelée chaque matin. Compassion, bon Dieu, pas fini. Il renouvelle chaque matin. On nous chante 31, gloire à l'agneau. Si ta route est jonchée de peine et de douleur, si ton soleil sombre dans un noir nuage, et que nul rayon d'éclat n'illumine ton cœur, pense à Christ, à son message. Jésus, ton sauveur, sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort. Il agira. Amen. Si ta route est jonchée de peine et de douleur, c'est ton soleil sombre dans ce noir nuage, et que nul rayon d'éclat n'illumine ton cœur, pense à Christ, à son message. Jésus, Jésus, ton sauveur, se
toujours ton guide. À lui seul confie ton sang, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Si personne sur la terre ne peut te comprendre, c'est la tentation, sa charme à ta siège. Si t'as fait efforts ne suffisent pour que les pauvres, fais le Christ en bouclier. Les gens se gênent, ton sauveur sera toujours ton guide. Allez seulement, puis ton sang, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami doit s'intégrer. Si ton pauvre cœur à force de revient s'enflamme, et que tu finis par te décourager, sache que Christ connaît la torture de ton âme. Il veut bien te soulager. Jésus, ton sauveur, sera toujours tranquille. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Jésus, ton sauveur sera toujours tranquille. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Jésus, ton sauveur sera toujours tranquille. À lui seul confie ton sang, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Jésus, ton sauveur sera toujours tranquille. À lui seul confie ton sang, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Alléluia! Merci Seigneur pour nous rentrer dans la prière commune que le pasteur nous livra le conduit nous en prière ça. Nous va chanter 115 créole, quelquefois nous joignent. Et tristesse dans la vie, nous. Quelquefois que nous, il y a un gros fado tout. Mais nous connaissons n'importe sacré. Alléluia, Jésus, la pour toujours. Nous joignent tristesse dans la vie, nous. Quelquefois, quelquefois, d'autres. Mais nous, comme moi, n'aimons pas sa vie. Jésus, la voix, toujours, n'a point fallu que Jésus n'a pas capoté. N'a point tristesse que les fagnes et Jésus, l'amour, toujours. Les non-amis, ta peau même la misère.
chargé à toi. Vaya pas Jésus n'a pas qu'à porter. N'a moins tristesse que des fagettes. Malgré chaleur, papa et la joie, votre tristesse. Jésus l'a n'a pas roté ses bas. Quand ça guémant, t'as défé ses dos. N'a promesse, j'ai nos joies d'assurance. Jésus l'amour. N'a moins de cesse que les baguettes. Malgré joyeux, capable la joie aux tristesses. Jésus l'amour. Oh, my God.
jamais mauvais, toi caché dans ton âge intégré. Jamais nous la guerre, jamais pas guerre. Tout moi au bras levé. Le monde a bouleversé, le Jésus m'a béni. Sans mes mauvais, toi caché dans mon âme, Jésus-Christ. Est-ce que on va jouer en côté pour cacher? Est-ce que on va joindre un côté pour cacher? Jamais mon peu soit caché dans mon âme, Jésus. Montaille au bras tremblée. Tendez ça. Tout proche au bras. C'est quoi le bras bouché? C'est quoi le bras bouché? Le Jésus, Mon caillot bras, Côté bouillot caché. Est-ce qu'on va jouer en côté pour cacher? Sommet au peu, soit caché dans mon âme, Jésus-Christ. Sommet pour bien crier. Découragé, le maillet rouge, au moins qu'on
mais toujours là pour aider moi. Non, moi, mes cœurs, esprit mêlé, moi, connais Jésus, mais toujours là pour aider moi. La moisson, la moisson. Le moins salé, découragé, la manière haute, au moins confié, moins connaît Jésus, et toujours là, pour l'aider moi. La moins vivant, esprit mêlé, moins connaît Jésus, et toujours là, pour l'aider moi. C'est Jésus seul qui peut comprendre moi. C'est Jésus seul qui m'a aidé et protégé dans nos âmes, dans la maison. C'est Jésus seul qui aime les mains. C'est Jésus seul qui sait courir. C'est Jésus seul. Oui, même seul, qui qu'on besoin. C'est mon besoin, les choses qui a, l'amour, j'ai bon la croix. Moi, connais Jésus, et toujours là, pour l'aider. Et les barrières sont toujours pour moi. Connais Jésus, et toujours là pour l'aider. C'est Jésus seul qui m'a comprendre moi. C'est Jésus seul qui m'a aidé et protégé dans notre amour. C'est Jésus seul, oui, les mêmes seuls, qui m'ont besoin. Pour mettre au mal, pour mettre à bout, j'ai bon à moi. C'est Jésus seul, oui, j'ai la gloire. Oui, mon est Jésus, et toujours là, pour aider moi. Il est varié, son tout beau. Moi, connais Jésus, il est toujours là pour l'aider. C'est Jésus seul qui capte comme moi. C'est Jésus seul qui capte aider et protéger dans toute la gueule, dans la maison. Seul, c'est Jésus seul qui sait courir. C'est Jésus seul, oui, les mêmes seuls qui ont besoin. Qu'elle dit oui, oui, oui. Qu'elle dit oui, oui. Qu'elle dit oui, mais. Can do we, 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 can do we, 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 can do we, man, can do we, man, can do we, we, oh, let's swim, do we, we. Pensez-moi, oui, oui, oui,
parce que oui, 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 parce que oui, 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 parce que oui, 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 la vie dit oui, 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 la vie dit oui, man, il dit oui, man, la vie dit oui, 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 ah, we can dit oui, 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 can dit oui, 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 can dit oui, man. Au point disposition, côté pasteur, nous, il va conduire nous en prière à la gloire de Dieu. Quand on dit cœur, on dit oui, oui, maître. Quand on dit l'esprit, on dit oui, oui, maître. Pensez, on dit oui. Ça veut dire, ça fait me comprendre, ou d'accord pour être la caille, mon Dieu. Ou d'accord pour accepter, rester la caille, mon Dieu. Même les problèmes, ils ont été chargés. Ou d'accord. Ou d'accord, nous fait place à pasteur, nous, à la gloire de Dieu. Oh, comme dit oui, oui, maître. L'esprit me dit oui. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Approchons-nous vers le trône de la grâce par la prière. Notre bon Père céleste en Jésus-Christ, nous voici en ta présence, ô Dieu, côté en ce moment, Seigneur. Nous présenter, nous couverts par le sang de Jésus. Revêtus, ô Dieu, du manteau de la grâce. Côté Seigneur, n'a présenté devant vous et n'a demandé autant prix, ô Dieu, pas entrer en jugement contre nous-mêmes. Mais Seigneur, sois apaisé envers chacun de nous. Nous nous remercions, Seigneur, permettant encore nous capables vivants en ce troisième dimanche du mois de juin, Seigneur. Son grâce spéciale. Et nous bénissons, Seigneur, pour chaque personne qui branche avec nous dans moi ça, Seigneur. Que au même tout, Seigneur, n'amio a élevé vers ton trône, Seigneur, en signe de remerciement. Pour ça, recevoir de vous-même, Seigneur. Pour ça, qu'on fait pour vous-même, Seigneur Dieu. Et ça, que pas mérité, Seigneur, aller au-delà même de ça, nous t'a espéré. Pour cela, oh Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous te remercions, Seigneur, ce matin d'une manière spéciale. Merci pour chaque servante. Merci, ô Dieu, pour chaque serviteur. Merci pour chaque ami qui branchait. Que dans le moment ça, Seigneur, nous nous font faisceau pour capable remercier. Par-dessus tout, ô Dieu, va continuer encore. Qu'aimer nous dans grâce au Seigneur. Quand nous va arrêter connecter avec vous. Même bien nous saute chanter, le Seigneur, montagne, ou bien plus haute. Tombe, ou gen pou tremble. La lune va gen pou tourner sang. Et moi, ou gen pou leve. Et question à poser, est-ce que les hommes le savent va nous côté pour nous cacher? Oh Dieu, si longtemps chante ou pas de confessance, mais à travers les événements que nous vivons dans le siècle, ça, Seigneur Dieu, chaque monde qui a visé comprendre et senti la nécessité, Seigneur, pour joindre abri la caille, Seigneur, d'un côté puis au cacher. Nous pas parler de caille qui fait de mes hommes, Seigneur. Nous pas parler, Seigneur Dieu, de sécurité les hommes capables bailler, Seigneur Dieu. Mais n'a parlé de sécurité éternelle que ou même seulement capable bailler qui gon abri sûr. C'est ça qu'on déclarer au Dieu dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, ce matin encore, la question est posée à chacun de nous qui a coûté et qui vient pour coûter, Seigneur. Est-ce que nous allons nous coûter pour nous cacher? Il y a des gens qui comprennent, Seigneur Dieu, oh, son Dieu qui l'a seulement pour résoudre le problème, un Dieu qui l'a seulement pour bailler la santé, un Dieu qui l'a seulement pour bailler la sécurité physique et sociale, un Dieu qui l'a seulement pour résoudre le problème, ne pas penser que son Dieu avant tout qui besoin sécuriser nous, Seigneur. Et pour ce faire, nous avons besoin de développer, de maintenir une très bonne relation avec vous, Seigneur.
relation qui basée sur la fidélité, qui basée sur la sincérité de cœur, qui basée, Seigneur Dieu, sur un esprit de sacrifice, qui basée, Seigneur, sur un engagement total, côté nous comprendre que nous marchons avec vous, Seigneur, je nous te dis la méditation, la santé, côté Seigneur, faut nous reconnaître que nous marchons avec un Dieu qui saint, nous marchons avec un Dieu qui vivant, un Dieu qui a observé nos pas, nos actions, un Dieu qui a observé nos pensées. C'est ce que le psalmiste a créé dans le psaume 139. Où irai-je loin de ta face? Côté capable de cacher de n'importe côté de ta vallée. Même dans les obscurités, Seigneur Dieu, qui est capable plus épaisse. Ainsi, Seigneur, là encore, en tant que lumière, pour être capable de dévoiler nos actions et nos pensées. Ainsi, matin, Seigneur, nous reconnaître que chaque monde qui est au ciel là, chaque jour va faire effort pour être capable de dépouiller des œuvres sataniques. Des œuvres du malin, Seigneur, pour capable de rentrer plus fort en bas. Mais malheureusement, si là, pas un projet ciel, ou bien qu'il a ton apparence, Seigneur Dieu, il n'y a pas de souci pour être capable de marcher droit devant. Et si maintenant, nous demandons temps pour va camber nous en grâce au Seigneur, pour nous capables de pas observer, Seigneur Dieu, en apparence, mais pour nous observer tout bon vrai, Seigneur Dieu, soit en présence de monde, soit en absence de monde, Seigneur, pour nous être conséquents avec parole là, au Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ce matin, nous vous remercions encore pour ton Église, l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance. Pour chaque serviteur, chaque servante, Seigneur, bah, opportunité pour nous capables de venir ensemble pour adorer. Et chaque ami l'Église, là, Seigneur, matin, nous réclamons toucher spécial pour nous-mêmes, Seigneur, car on connaît qu'il y a un changement qui besoin produit dans la vie. Pour capable assurer au Seigneur en ce moment de tempête, en ce temps de crise, que les hommes pas capables de faire rien la donne, mais pour venir nos côtés, pour être déjà cachés dans la cave, Seigneur, parce que pas participer, Seigneur Dieu, dans la tempête ça. Ainsi, matin, on fait nous capables de prendre l'évangile au sérieux, pour nous marcher devant droite, Seigneur Dieu, et qu'ainsi, dans un moment difficile, ça nous suit certains, l'Église, pape là. Et si l'Église, pape là, si nous autres, nous faisons partie de ton Église invisible, Seigneur Dieu, nous connaissons nous-mêmes tous nos papes là, Seigneur. Par-dessus tout, nous nous merci pour chacun de nous déjà traversé, Seigneur Dieu, des difficultés avec nous. Ou déjà, Seigneur Dieu, bannons des victoires, ou déjà démontrer nous ta grandeur, ta magnificence, ta toute puissance. Ou que t'as nous goûter déjà, ça nous capable de la chaos, Seigneur. Fais-nous capable de réaliser. Ô grand bagage sérieux la cause, Seigneur Dieu. Merci pour si là ou bah la santé, Seigneur, qui pas courir monter descendre l'hôpital, son grâce spéciale. Nous nous merci tout, Seigneur, même si là cap monter descendre l'hôpital, et même si là qui hospitalisé, même si là en nursing home, Seigneur, ça que la caille cap souffrir. Quand vérité, Seigneur, qu'on est souffrance, pour qui raison? Y'a moun, c'est nos malades, ou à chercher le Seigneur, pour capable, Seigneur, quitter le connecté avec vous, pour capable chercher présence, ou, parce qu'on aime, ou voulez sauver le Seigneur Dieu, ou qu'on est à partir de souffrance, ça, l'on pas et elle pour lui-même, Seigneur, la bonne relation avec vous. Il y a des gens qui sont en prison à le chercher, Seigneur. Il y a des gens qui sont entrés en prison pour qu'elle cherche, pour parler avec nous, mieux, Seigneur. Il y a des gens qui sont dans une situation difficile ou qui sont entrés, Seigneur. Et pendant que nous avons une conscience capable de reprocher, ça fait me comprendre, Seigneur, de nous d'accord dans la parole au Seigneur, dans Romains 8, 28 qui dit, nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça, croyant doit comprendre. C'est comme ça, chrétien doit comprendre. Peut-être que nous, pendant la prière, Seigneur, capable de dire à papa, pasteur, de nous content dans la maladie. Mais Seigneur, ce que nous avons fait comprendre. Oui, nous avons parlé d'après Romains 8, 28. Tout ça qui va arriver, auteur, inspiré, il dit tout. Tout ça qui va arriver, il va servir mon bien. Ça veut dire pas bon bagage, nous content seulement pour nous réjouir socialement, économiquement, non. Même dans ça qui semble amer, en vérité, Seigneur, nous avons raison. On doit une gloire à la donne et on traverser avec nous. Ça m'a donné l'autre dimension pour nous comprendre l'évangile là, que nous avons cherché la cause, Seigneur. Et là, nous comprenons ni comme ça, Seigneur. Nous va toujours appliquer au milieu de 28 ans. Les païens, les méchants, les mondains, pas comprendre nous. La parole mal, la manque aux dégâts. Nous-mêmes, Seigneur, nous va dire, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis encore ton Église, Seigneur, chaque serviteur, chaque servante, ou chaque enfant, chaque jeune, Seigneur, chaque ami, chaque monde qui compte supporter cette œuvre, Seigneur, de près ou de loin, soit dans la prière, soit dans l'argent, soit dans le conseil, Seigneur, soit dans la présence,
Nous réclamons maintenant une bénédiction spéciale pour nous-mêmes. Par-dessus tout, Dieu va continuer à visiter si là au l'hôpital, ça au nursing home, ça au la caille au Seigneur, ça au cap traverser des moments difficiles. Faire comprendre que Seigneur, on a baqué sous un bac de Dieu puissant, bac la pas capable de faire naufrage. Mais nous mettons monde dans mon Seigneur qui vire à l'envers, qui tête en bas Seigneur, parce que c'est ennemi qui gagne contrôle lui. Bien que Seigneur nous la donne, mais nous pas sous juridiction ennemi. Et ça que nous dit nous Seigneur Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est encore une autre réalité Seigneur pour nous capable réaliser dans la vie nous. Oui nous dans le monde, mais nous pas dépendre de méchants, ça que les a grondé, les a pompé, les a parlé, que nous pas sauter, car nous connaissons Seigneur son ambassade noué, nous cacher dans l'ambassade pour la Seigneur, au grand façon pour intervenir pour nous-mêmes. Bénis-nous Seigneur abondamment, qu'aimez-nous dans la foi Seigneur, et qu'ainsi au Dieu nous capable de toujours être et des humbles serviteurs et servantes qui capable de au service au Seigneur Dieu pour ta gloire et l'édification de ton peuple. Mais Haïti dans mon, mes pays pas bon ici dans mon Seigneur et à travers le monde Seigneur, le gouvernement qui établit Seigneur, ou va Seigneur pas contrôler, car on connaît Dieu gré méchanceté, abus, injustice qui a pratiqué Seigneur, mais puisque nous sommes encore sur terre, nous sommes capables de contrôler toutes les choses pour nous-mêmes. Il y a mon prenant la prière Seigneur qui t'est passé semaine n'a pas trop bien dans yeux pas eux mon do capable faire ben on font intervention pour eux-mêmes font toucher pour eux-mêmes Seigneur gien dans l'eau dans yeux Seigneur va sécher pour eux-mêmes ça gien cœur sauter on va Seigneur dire la paix dans mio gien tout ennemi en partie avec un zac malhonnête Seigneur on va le chercher eux car gien monde qui pas réaliser dans temps ça n'a vivre là il t'a suffi pour capable ramasser pied au bouche au main action mais malgré ça Seigneur pas prudent. Ainsi, on va faire grâce matin. Qu'est-ce que nous avons grâce au Seigneur? Dans le nom de Jésus, nous t'en prions ainsi, Père. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance dans ma puissance, à présent au siècle des siècles. Amen. Merci, amen, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hein, nous chantons 28 créoles à la gloire de Dieu. 28 créoles à mon bon Dieu. Qui grand passé, oh l'amour mon Dieu, qui grand passé toute sa langue, mon ange capti, l'aller plus loin. Gloire à Jésus, 28 créoles. Oh amour mon Dieu, c'est riche, c'est pur, il s'en mésie, il fort, amen. Amour bon Dieu. L'année passée, l'année
Voilà toujours le sang de Jésus. La force pour Dieu pour sauver nous. La ces étoiles yo li joine moun ki te fin perdu moi même a kou konnen nou te erré nous te perdu mais l'amour Jésus te joine nous nan minute ça nous pa konn combien moun l'amour Jésus pou ko rive bon côté oui li rive mais des fois faire réticence l'amour bon Dieu renouvelé chaque matin chaque seconde mais on faire réticence. Matin, on te a chanté l'amour, bon Dieu. Si toute bois sous la tête est plime, si la mer a te katoune l'encre pour ta écrit l'amour, bon Dieu, li pa tap capable fin écrit. Matin, on encourage ou même qui souligne, pourquoi accepter Jésus? Fais vite, fais ça. Quitte Jésus rentrer dans le cœur. Quitte Jésus demeurer dans la vie. Ou. Qui de Jésus prend place, bah Jésus on dit place. Parce que Jésus à la porte. Pas de jour encore. Que mon Dieu bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.
avant de nous remettre pasteur, et non, annonce et présentation pour visiteurs et visiteurs nous, les gens qui soulignent nous, qui sont pour la première fois, et pour passer nos prédicateurs, nous avons chanté 40 créoles. Nous avons chanté wa qui vient pour venir. Gloire à Jésus, l'agneau qui mourit. Pour offrir tout le monde salut avec la vie. Jésus offre tout le monde salut avec la vie. Jésus offre tout le monde. Jésus pas nous pas prix. Quel que soit le dénominateur, quel que soit le monde, quel que soit la couleur, quel que soit la race. Jésus offre tout le monde salut avec la vie. Gloire à Jésus. N'a chanté wa qui gen pou vini. Gloire à Jésus la yo wa ki mouri. Pour offrir tout le monde salut à la vie. Tout peuple pas content de Jésus mara. Vini chante gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, nous qui mon pas Jésus, ça c'est Jean-No. Tout toi Jésus, c'est lui qui va nous. Tant qu'on va arrêter dans des lumières, on y aura ensemble qui va délunir. C'est la vérité qui va établir. Quand on attendait,
Tout bagaille est jamais, tout bagaille est jamais.
Alléluia. Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec les méchants. Pas peur, pas crainte. Ça qui est avec nous, les plus forts. Pas ceci-là qui est avec méchants. Donc ce matin, encore une fois, chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous comptons parce qu'on est capable de gagner le privilège pour nous joindre ensemble sur cette ligne de prière. Continuons branchés à travers ce média auto pour nous capables de passer un moment au pied de Jésus. Donc déjà, nous souhaitons bon dimanche dans le Seigneur et nous souhaitons bonne semaine. Déjà, la semaine n'a ouvri devant nous et nous aurions cru que le Seigneur n'y prend contrôle lui et nous va traverser le très bien au nom de Jésus. Donc, matin, fait qu'on est content parce qu'on a la caille, bon Dieu, on a présence, bon Dieu. Et pas un pis bon côté, t'es capable que l'on la caille, bon Dieu. Donc, ceci étant dit, n'a pas continué à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et prochaine fois que nous va avoir le privilège de nous rencontrer à travers et cette ligne de prière, c'est bien mercredi et prochain Dieu volant. Côté nous avons rendez-vous à partir de 7h30 pour nous aller boire piscine. Non? Avec un seul cri, Seigneur, nous pas gagné personne. Donc, et ensuite, nous allons rencontrer dans samedi pour service de jeûne. Et puis encore, dans dimanche matin, nous allons rencontrer pour notre service d'adoration et de louange. Nous saluer d'une manière spéciale chaque ami qui est avec nous matin. Hein? Et surtout, si vous n'êtes pas habitué là, c'est la première fois avec nous souligne, nous saluons dans le nom de Jésus. Donc, fait que vous êtes content. Et prends le point habitude pour capable toujours entrer sous l'île pour prier ensemble avec nous. Et le Seigneur va faire grâce. Donc, nous va continuer à prier pour nos malades. C'est là où nous connaissons qui besoin. Et une intervention de la part du Seigneur pour santé. Pas négliger faire ça. Et puis, prier tout pour nous connaître qui traverser des moments difficiles. L'important pour nous faire ça, pour nous prier. Prier aussi pour Haïti, notre pays. Et les autres pays à travers le monde, et y compris les États-Unis, côté noyé, prier pour mon Dieu capable de prendre contrôle méchant, yo. De telle sorte que pour petit lio, capable de jouer nos espaces, puis rester encore persévérer en attendant le retour de Jésus. En ce qui a trait à déroulement, événement sur le plan social, et demain, si Dieu veut, New York City va entrer dans ce qu'on appelle phase 2. Deuxième phase, dans réouverture, activité commerciale, yo. Côté qu'on y a pas gain plus et commerce, plus business qui pourra ouvrir. Par exemple, gain pile moun qu'on a travaillé en dans office, qu'on y a capable aller.
certainement avec pendant y a observé social distance et qu'on ça capable plus ou moins aller pour être la caillou pas étonné soit de kunya now you can come et we can accommodate everybody so or almost everybody you capable faire ça. Donc c'est tout changement ça pour l'entrée en ligne de compte. Maintenant et barbershop pour ouvrir toi à partir de demain et beauty parlors yo pour mesdames yo et comme ça monde qui gagne longtemps au besoin de faire cheveux ou pas faire donc et semaine à partir de demain là pour vous mais pas comprendre que demain si Dieu veut tout le monde va dans studio tout le monde va dans barbershop pas chercher à accrocher avec tête pour pas compliquer situation déjà comprendre que un bagage qui fait plus de 3 mois le fermer donc l'elle va l'ouvrir tout le monde va le candidat gagne monde va le faire ligne va line up donc si me donne place pour si me capable faire 3 mois et demi c'est bon semaine pas capable faire pour ne pas obliger à le camper dans la ligne, puis soit entendre à parole à changer, et puis à cocher, il faut nourrir. C'est-à-dire que les croyants, les chrétiens sont des gens qui sages, ils anticipent l'événement, et qu'on ne sait pas fonctionner même avec le monde, parce que nous avons en nous la lumière du Saint-Esprit qui nous guide. Alors, son face pour nous, que pour observer prudence, pendant la réouverture, en pile, on peut le poter bourré, ou même slow down, pas oublier, ou pas même on avec, ou d'ailleurs pas la caillou. C'est un vito dans le monde, ou son ambassadeur, son monde qui marchait. Droite, parce qu'elle représente un gouvernement sérieux, elle représente un roi divin, et le pavlé, et bien ça l'a fait pour le projeter sur le royaume, ou bien pour le projeter tout sur le sauveur. Donc, nous, quoi, c'est une motivation, ça, aucun dégain pour même, qu'elle est ferme dans le Seigneur. Encore une fois, nous remercier chaque membre de l'Église, chaque ami de l'Église qui continue à supporter nous par tout moyen. Nous avons besoin de ça pour nous capables d'avancer dans le nom de Jésus. Donc, si toutefois que vous avez des donations pour bail, vous êtes capable de contacter Sister Natacha. Ou bien sous la zone Sister Mireille et tout. Et il est capable de prendre tout. Ça va dépendre capable de relayer et ainsi. Et ça capable de faire. Si vous voulez tout déposer directement dans l'account, l'église qui a utilisé Zelle, soit une technologie qui gagne, vous êtes capable de faire ça tout. Et on sera capable de déposer exactement dans l'account l'église là. Donc nous, c'est toute motivation ça que nous avons pour nous-mêmes. Kembe ferme, n'oubliez pas que Christ est à la porte. Pendant que le monde a développé et en pile et habitude, a développé en pile bagaille qui pas fait et bon Dieu plaisir, ou même pas oublier que ou prétendre le Seigneur Jésus. Sur ce, nous croyons que nous prenons prier pour nous capables de passer au prédicateur du jour, qui va être notre ami, notre collègue, c'est bien le pasteur Jean-Renel Estil. Et nous croyons déjà branché avec nous. Et nous pourrons gagner le privilège pour nous capables de remettre les et provisions que le Seigneur a pour nous matin, il va délivrer à la gloire de Dieu. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons nos matin, nous nous remercions encore une fois, Seigneur, pour cette journée. Déjà, nous sommes entrés dans plus que moitié la donne, Seigneur, sans grâce spéciale. Nous avons une opportunité pour nous être capables d'adorer, louer en esprit, en vérité, à travers les chants, Seigneur, les requêtes de prière, pour te prendre temps, pour te tendre nous. Voici, ô Dieu, en ce moment, nous pourrons faire silence en nous et autour de nous. Tandis qu'on va utiliser ton serviteur, Seigneur, le pasteur Jean-René Lestil. Côté Seigneur, on va utiliser le seulement comme tuyau, comme enveloppe, là. Il va délivrer. Et ça, qu'on gagne pour peur pour ma terre. Et nous te disons, parle, ô Dieu. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Dans le nom de Jésus, nous te demandons toutes ces grâces, Père. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, à présent et au siècle des siècles. Amen. Et n'a pas de même, et la chaos, s'il vous plaît, si toutefois, et téléphone nous t'a ouvri, pas parler, c'est seulement Pasteur Estil qui pourra gagner le privilège pour être capable de délivrer le message de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Avec vous, le révérend pasteur Jean-Renel Estil dans le message de la parole de Dieu. Amen. Vous m'entendez bien? Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous profitons de cette noble occasion en ce troisième dimanche. Je crois que c'est le 20 juin pour nous souhaiter 21 juin. À tous les papes qui nous écoutent sur les ondes de ce service d'adoration, une bonne fête. Donc, c'est une bonne fête à tous les papas. Donc,
nous souhaitons du courage parce que nous connaissons que la tâche n'est pas facile pour faire face à la responsabilité que le Seigneur confie à chaque papa. Écoutez, nous là, et moi, c'est une là et tout. Étant donné que le Seigneur lui-même personnellement est parlé avec moi, il m'a médité pour ça, et je vais bénédiction matin, qui suggérait moi pour être capable de faire part de cette exhortation à mes collègues papa qui nous écoutent sur les ordres pour nous dire aux paroles à eux. Que nous joignons, que nous lisons plutôt paroles à eux, que nous joignons dans Luc chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 13. Muted. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Qu'est-ce que j'entends dire de mon sujet, à ton sujet? En compte de ta gestion, de ton administration, quand tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de tes biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mentir, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fait venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Ils ont reçu assez froid et écrivu 5 ans. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit l'autre. Et il dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fut l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de la dureté dont il avait fait preuve. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles vis-à-vis de leur génération, et nous le sommes les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à haute, il vous confiera ce qui est à vous. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En attendant, pour cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Le fait ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Et le Seigneur a ajouté bénédiction sur écriture par Rosa pour la bénédiction commune de nos âmes. Amen. Frères et sœurs, nous sommes les pauvres, nos histoires très connues. Et après mon livre, ça, après petit à tête, mais c'est sur le tout. Et quelqu'un qui est baptisé de parabole. Mais suivant un commentateur que l'on a consulté, il nous semble que n'est pas une parabole pour des raisons. Alors pour seule raison, il était soulevé là-dedans, c'est que
et du tout par rapport à l'eau, regardez, Jésus n'a pas la peine de citer, non, mon auteur qui n'a pas rapport à l'eau. Il va citer, non, yo. Maintenant, la raison qui fait que nous disons, et il semble bon par rapport, tout le monde, le voir de cette prison, nous n'avons qu'à tromper, nous avons tenté de suivre son panneau. Il a parlé du riche intendant. Il a parlé aussi du maître, du cet intendant. Ce n'est pas ça qui est plus intéressant pour nous. Mais ce que nous faut connaître, que le texte nous veut parler nous d'un économe infidèle. Et là, le sujet de notre méditation, un économe infidèle. Et nous joignons comme opposition à ce sujet. Une citation que nous avons auteur de fait, bien connu, qui dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » Mais par bon, cette parabole, nous avons réalisé que Jésus a enseigné de quelle manière exactement nous avons considéré les biens de la terre et qui usage nous avons fait avec les biens de la terre pendant que nous sommes au régime de la grâce. Parmi que Jésus a adressé parole ça y est, dans l'époque, pour dire que les pharisiens sur la loi, et qui fait très peu de cas de la présence de Jésus lui-même, qui était l'accomplissement de la loi. Sur le régime de la grâce, selon ce régime, on voit que Jésus avait fait connaître que les bénédictions qu'il déploie aux croyants, en tant que porteur de la grâce, ces bénédictions sont célestes. Et éternel, et au patiré. Les bénédictions que Jésus porte pour nous aujourd'hui à nous-mêmes, tout, ce sont des bénédictions célestes, ce ne sont pas des bénédictions terrestres. Il est vrai que la vie dans un corps cher, en tant que l'homme naturel, nous sommes obligés de trouver de la nourriture, nous sommes obligés de travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais nos enfants, nous devons les envoyer à l'école, etc. Mais ce qui doit être prioritaire dans la vie du croyant, ce n'est pas les biens matériels. Et la Bible dit quelque part, le juste vivra par la foi et non pas par la vue. En nous disant, le juste ne veut pas être esclave des choses matérielles. Il ne servit avec eux et tout. Comme serviteur, comme l'auteur dit, l'argent doit être un bon serviteur, mais l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Nous devons nous servir de l'argent comme un serviteur pour faire face à nos besoins. Et c'est ça que les hommes vont réaliser aujourd'hui, hein, que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, qui fait que y a tout crime saillot qu'il a constaté dans le monde. Maintenant, en faisant ça, que Jésus t'a confié à Pharisien. En ce sens, ça répond, pour ainsi dire, à cette question qui est très importante. Puisque les bénédictions du croyant, les bénédictions sont célestes, que doit-il faire des biens de la terre? Est-ce qu'il vous fait table rase des biens de la terre ou bien est-ce qu'il vous tenir compte des biens de la terre? Les biens de la terre, donc, sont-ils indispensables? Ou bien sont-ils utiles pour que le croyant subsiste? Les biens de la terre qui est adoué formé, ça doit régler les bénédictions sur l'économie de la loi. Dans le contexte, le texte a décrit. Par exemple, c'est de considérer les biens de la terre comme prioritaire nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je vais présenter par rapport à question ça, une question qui est importante. Il était intéressé tout particulièrement disciples Jésus, parce que ses disciples étaient juifs, eux aussi, même s'ils n'agissaient pas comme les pharisiens qui étaient hypocrites dans la majorité de la foule, mais ils étaient quand même des juifs. Comme tels, eh bien, ils étaient à peine
et Jésus était mentionné à Soubavé, et bien la faveur de Dieu n'est pas manifestée envers Saïos à recevoir par des avantages présents et matériels. C'est comme si nous avions dit, j'aurais eu une grâce là. Il n'y a pas d'attendre, que c'est comme ça, par la tâche que vous ayez seulement. Mais pourtant, les deux marchent ensemble. Les biens matériels et les biens spirituels. Sinon, dans ce sens, les deux marchent ensemble. Lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses viendront par surport. Ça veut dire que Jésus n'a pas dit que le dit tous les biens matériels. Mais nous retournons pour une critère pour devoir de prioriser dans ta vie les biens spirituels. Parce que les biens matériels sont les passagers, mais les biens spirituels sont éternels. C'est pour tout en possédant les choses célestes, nous devons en plus de caution pour ne pas prioriser les biens de la terre. Maintenant, on va dire l'histoire de près, bien-aimé. Et on va dire de près les 8 premiers versets. Nous sommes en présence d'un intendant ou bien un économe. Et notre intendant ou bien un économe, c'est celui-là qui a la charge ou bien la responsabilité de faire quoi? De gérer pour d'administrer les biens d'une personne. Ce personnage, c'est son maître ou bien son patron. Pour le cas ici de notre passage, nous sommes pour présenter les pharisiens, d'après le contexte là-même. Puis les juifs pharisiens. Juifs d'ailleurs, pharisiens d'ailleurs à qui essayaient de confier aux responsabilités pour sur les autres. Car la parole de Dieu, on demande à beaucoup à qui on a beaucoup donné. On demande à beaucoup à qui on a beaucoup donné. Tant qu'ils n'ont pas réalisé en tant qu'intendant et qu'on est responsable, et qu'ils ont oublié que nous qui nous sommes à Dieu, on est là plus de responsabilité parce que nous, qui besoin connaît les sujets concernant le royaume de Dieu, c'est à ce responsable que le Seigneur confie les responsabilités pour l'esprit. Et de sorte que là, on n'a pas fait travail de monter confié au rien. Et on concerne plutôt à bagaille qui a passé, que le Seigneur va demander au compte de ce qu'on n'a pas fait travail là, comme il était confié au rien. On est bien informé de ces choses concernant le royaume de Dieu. Pour ça, le Seigneur va demander plus que le monde y a exclu. Maintenant, maintenant ici, vous présentez, c'est Dieu lui-même qui vous présente lui-même. Il va demander compte de l'administration de ses biens confiés à l'intendant. On dit confier ses biens à l'intendant. Mais oui, la Bible nous dit que les biens de la terre appartiennent à Dieu. Ce n'est pas au hasard que nous disons, parce que là, nous disons que sauf 24, c'est à l'éternel qui appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qu'il habite. Tout ce qui est dans ce monde, dans ce serviteur, appartient à Dieu. Et nous-mêmes, nous qui possédons les biens de serviteur, nous appartenons à Dieu. Et si nous avons une équation là, c'est facile. Nous avons dit que quand il est égal à une bonne fois, il est égal à elle. Si nous appartenons à Dieu et que les biens que nous possédons appartiennent à Dieu, possédons les biens que nous avons appartiennent à Dieu. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu parce que c'est bon Dieu qui créateur, nous créons tout bien et mettez-nous à la disposition du service, à notre disposition pour nous appartenir. Maintenant, puisque la terre s'est consacrée à la force à l'éternel et que nous appartenons à Dieu, par conséquent, nous sommes les gérants ou bien les gardiens des biens de Dieu. Si nous déclassons Dieu devant la prendre aussi, c'est vous, la vie en tant que tel Dieu, nous devons gérer et nous gérer des biens dont nous sommes les gardiens. En tant que gardien, notre devoir est quoi? C'est de bien gérer les biens de notre maître. Non selon les conceptions de ce monde, mais selon les vœux de Dieu lui-même. Parce que bon Dieu, les conceptions parlent différentes à conception que nous gagnons dans ce monde.
nous passer un camp ou un Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, on est que apôtre Jean, pour nous soutenir plus clairement, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, on dit, à partir du verset 15 à 17, ni le point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est condamné. Et puis, au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chambre de la vie, vient non du Père, mais du monde. Et puis, au verset 17, or le monde pas. La convoitise aussi, pas avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui meurt, éternellement, il n'est pas sage, ça, c'est notre pouvoir. Il veut dire que, par un titre intérieur, ça va? Eh bien, vraiment, en tant que créature de Dieu, nous avons toute attitude que nous gagnons, nous trouvons maintenant et on unit dans le cœur. Tout ça qui a passé dans le monde, c'est dans le cœur que nous sortons. Pas vrai? Attitude intérieure, puisque nous avons origine dans le cœur de l'homme, nous croyons que, d'après le passage-là, eh bien, cette attitude, ce genre d'attitude, nous caractérisons par trois dispositions de notre esprit. Nous avons dit trois dispositions de l'esprit lorsque nous considérons et passage dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. Première disposition, qui parle de la convoitise qui est dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme a le souci de satisfaire ses propres désirs physiques lorsque nous convoitons. Lorsque nous convoitons Dieu qui perd les démons. Il t'a amené cette convoitise qui porte à satisfaire mes désirs physiques. Lorsque je me porte, par exemple, sur une femme, par madame, avec moi-même, ce désir me porte à satisfaire ma satisfaction physique. C'est ça que les convoitises dans l'homme. C'est la convoitise de la chair. C'est dangereux, cette la convoitise. La deuxième attitude très mauvaise, qui passe à la souligner pour nous, c'est la convoitise des yeux. C'est-à-dire, le désir, ou bien sûr d'avoir l'accumulation du bien. Ah oui? Ou bien sûr d'avoir encore la soumission au du matérialisme. C'est-à-dire que, il fait que, on a une priorité, plutôt, à sa jumeau. Jumeau, si la galabo, et puis, on fait guérir. À vous de vous dire, il a joué tout. Le troisième mauvaise attitude qui va beaucoup, c'est à nous aider dans le même passage-là, l'orgueil du aux richesses. C'est-à-dire, le fait que nous sommes obsédés par la richesse du moyen et par l'importance que nous avons à la richesse. Vous voyez bien, mais plus on a important pour le matériel, plus le matériel-là, mais lui, tout non au service de nous, mais notre culture, pour l'esclave du matériel. De telle sorte que nous ne sommes pas capables de contrôler cette nous par rapport à ces matériels. Mais nous retournons exactement dans la même portion de la notion de la bien-aimée, dans le cas où c'est exactement ce qui est arrivé à l'intendant infidèle. Et c'est la raison pour laquelle le maître de cet intendant, dans une salle de vie, il dit pour ça que. Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rencontre ton administration car tu ne pourras plus gérer les biens. Alors, le texte de l'on n'a pas dit c'est qu'on a un mouvement avec volé, mais c'est ça qui doit attirer attention, c'est qu'il est mal géré les biens de son maître. C'est la raison pour laquelle. Mettre la première grande compte de l'administration quand tu ne pourras plus gérer mes biens. Pour le cas qui est pour toi, qui a été la sociale élevée, nous voyons certaines compassions qui mettent à l'égard de son économe. Une compassion, c'est que lui va nous dire, pour le cas avant même de l'évoquer. Et un tata qui était intelligent pour fêter de ce délai, pour fêter ça. Mais ça, lui, nous mettait quoi? Que je vais faire puisque mon maître m'enlève la vie sur le bien. La variété dans la forge, mon dieu, j'en ai honte.
donner des hommes, parce que les papas sont également de bord, mais les chiens également de bord, et qui sont des faits avec des villes là, etc. Si on a pour exemple, on a le fini. De sorte que notre travail court et à tout, ou à un bon manager, ou à un bon économe, ou à un bon intendant, parce que qui est de travail à la confiance là, en tant que comptable, papa, ouais, ou à gérer, bien avoir plaisir, ou tout neuf, lorsque on a contrôlé, nous mettons à contrôler l'attitude de façon que je reviens dans le travail qu'on y a, la louer ou la fait éloge ou parce que nous avons un bon économe ou un bon étalant. Pour finir, mes amis, puisque nous sommes dit où l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, l'on réfléchit à notre détresse particulièrement. Parce que nous avons montré que l'argent capable facilement d'emplacer mon Dieu dans le cœur de l'homme et pour lui, tous les cœurs, les véhicules, les mains, en vrai, pour lui, esclave là-dedans. Si c'est le cas pour vous, si l'argent emplace mon Dieu dans la roue, on peut mettre son pantalon. Vous avez reparti, vous avez reconsidéré façon pour gérer l'argent dans la vie. Et moi, on va pas quitter $50 dans le milieu, ça se met pour avec le contact. Et moi, on va pas prêter mon $200, on fait ça avant pour pas le mettre tout. Et si on a prêté mon $1,000, on va plier ça, pas pour faire une vidéo. Et quand on communique avant souvent, c'est parce qu'on prête l'argent, on ne peut pas parler avant pour pas rembourser l'argent. Mon salaire, on dit que l'argent, au village, nous avons servi de vous l'avoir mis en mettre pour la première la vie. Maintenant, comment nous avons connu si nous sommes des esclaves? C'est facile. Avoir les yeux occupés par des questions financières, renoncer à sa nota d'ouïe ou les mains, pour nous avoir fini la montagne, consacrer un peu de temps pour nous avoir soin, rien que bon Dieu confie nous. Avoir des difficultés pour nous monter en généreux l'une envers l'autre, les bagages sérieux n'ont pas notable dans la vie, nous, nous disons que par conséquent, on fait le bien qui nous possède, mais nous, nous, les esclaves de ce bien. Autant de cet homme, qui nous veut dire que nous soumettons à ce système que nous voulons, système esclavagiste. Donc, l'argent, c'est un mec qui tue les trompeurs. Il ne s'en va pas tomber au bien-aimé. L'argent fait les hommes absurdes, mon Dieu. C'est l'argent qui fait que le monde est en crise. Le monde est en bas. Autant dire, bon, il suit la guerre, bon, le pour on a mouru. C'est l'argent qui cause ça. Ça vient aux familles de l'argent, nous faisons l'argent leur maître. C'est comme ça que je vais dire à la parole, je vous que l'argent ne doit pas être pauvre maître. Lorsque Wachilel fait son jeu, je vous songez que c'est vous-même qui mettez l'argent, fait son jeu avec, pour ne pas mener en cours, pour ne pas douaner. Il y a un peu de fortune que les hommes ont été aujourd'hui, parce que nous avons utilisé l'argent à mauvais destin pour ne pas posséder fortune d'ailleurs. Mais moi, nous avons un peu de fortune d'ailleurs. Il y a la vie, par exemple, qui vient, la vie qui est mal, parce que c'est mal géré la vie, nous dit, pas l'argent en priorité. C'est pour ça, oui. Mais c'est pour la vie plus loin. Et l'argent, c'est l'argent de l'argent marron. Son transcription de mot à la meilleure qui est à dire des richesses. Personnifie comme une divinité. Tant que l'argent vient en bon Dieu pour mon taille. Par exemple, que l'économie fidèle là, et au fruit, non, nous déterminer si communication dans ce sens-là. Lorsqu'on met en erreur, si grave que soit cette erreur, prend conscience pour pas mettre l'autre, pour que pour capable de nous servir de la vie. Personne qui a foutu là, pendant que je parle, pas capable de dire que c'est parfait. Personne n'est pas fait. Mais dans le domaine ou dans l'autre, moi ou moi-même,
nous qui commettons des erreurs, et si je m'en ai dit, à partir de là, soyons des hommes et des femmes avisés. Lorsque nous commettons des erreurs, en conscience que nous commettons des erreurs, mettez l'ordre dans la vie, même les gens économiques ont fait des vidéos maintenant, ils sont en train de faire des jobs là pour être capable de joindre le monde réglé. Mais ils ont de la bonne sorte. Alors le Seigneur béni, les cadres l'ont parlé, le Seigneur béni, et nous souhaitons encore une fois une bonne fête à tous les papas qui sont des économes fidèles. Et on s'en fait beaucoup. Amen. Bon Dieu béni, hein? Nous disons bon Dieu merci pour le message parole du matin. Et nous, pour nous capables de terminer le service, nous. Et Brother Alpha va faire lecture pour nous. Brother Alpha va faire prière finale pour nous. Et Frère Alexis, il va prononcer bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. Brother Alpha va faire prière finale. Et le Frère Alexis va prononcer les mots de bénédiction. En nous chantant 186, le Tout-Puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Le Tout-Puissant est mon berger. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Et je m'en
Benedictions on each and every one of our lives, Father God. Those of us, Father Lord, who came discouraged, those of us who needed help, came here needing a word, Father Lord. Those of us who came here needing a healing, Father Lord Jesus Christ. We know that through this service, whether it be through a song, whether it be through the scripture that was read, whether it be through the preach that was preached, Father Lord Jesus Christ, we know that we found it, Father Lord Jesus Christ. And the same way that we enter the service, Father Lord, we will not leave that way, Father Lord Jesus Christ. We ask you, Father, that you help us remember the words, help us remember the songs, Father, in our spirit and in our heart, Father Lord, so we can reminisce on it, Father Lord, Jesus Christ, so we can continue to draw nearer to you, Father Lord. Your servant who left the service, Father Lord, we ask you to continue to bless the Father, that you continue, Father Lord, to drop, Father Lord, your rich blessings onto her life, Father, that your Holy Spirit continue, Father Lord, to anoint her, Father Lord, Jesus Christ, so that each and every time that, Father Lord, she may lead us, Father Lord, toward the throne, Father Lord, it may be, Father Lord, your Holy Spirit leading us, Father Lord. And Father Lord, your servant who follow, preach, Father Lord, Jesus Christ, Father Lord, Jesus Christ, that you continue, Father Lord, to remove all flesh and blood, Father Lord, within him, Father Lord. And every time that he may preach, Father Lord, it may be a Holy Spirit, Father Lord, moving within him, Father Lord, so that every word that he may speak, Father Lord, may be a word, Father Lord, to bless and touch our heart, Father Lord, Jesus Christ. We are going to depart, Father Lord, and flesh, Father Lord, Jesus Christ, to help us be communicated in spirit still, Father Lord, Jesus Christ. Those of us who have daily activities that will start tomorrow, Father Lord, those of us who have things that will resume tomorrow, Father Lord, Father, to protect us, Father Lord, that you watch us, Father Lord, that you cover us with your blood, Father Lord, Jesus Christ, so that, Father Lord, when we go out into the world, Father Lord, may be protected, Father Lord, and we may stand out, Father Lord, as one, Father Lord, who is praising and glorifying your name, Father Lord. We thank you for your blessing, Father Lord. We thank you for your grace, Father Lord, Jesus Christ. We pray not because we are holy, Father Lord, but we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Amen. Christ revient.